L'activité biodynamique au sein du groupe Gérard Bertrand en 2018, trois faits marquants. Le premier, l'arrivée du domaine Ségala dans la démarche agriculture biologique et biodynamique. Donc, le domaine Ségala, c'est un domaine qui se trouve au cœur des Corbières, juste à côté du domaine de Villemajou, propriété qui fait une cinquantaine d'hectares, et avec en particulier 35 hectares d'un seul tenant, nichés dans une cuvette naturelle. Au cœur de la garrigue méditerranéenne. Ce sont des terres relativement froides, procurant des maturités relativement lentes et très tardives. La biodynamie sur ce type de sol va nous permettre d'avoir des vins avec beaucoup de fraîcheur et une très grande complexité aromatique. Deuxième point, c'est l'arrivée du domaine de l'Estanière également dans la démarche de reconversion. Domaine de l'Estanière qui est au-dessus de la cité de Carcassonne, avec un plateau d'une vingtaine d'hectares surplombant la cité. Ce plateau d'une vingtaine d'hectares est surplombé par 10 hectares de terrasses étagées sur un coteau, avec un dénivelé de plus de 70 mètres. Ce coteau a une vue exceptionnelle sur la cité, se trouve juste en face de la montagne Noire, avec un point de vue allant jusqu'au vignoble du Minervois. Le dernier point, c'est l'arrivée de l'attraction animale sur le domaine de la Soujolle. Le domaine de la Soujolle qui est en démarche agriculture biodynamique depuis l'année dernière, qui se trouve sur l'appellation Malpère. Alors c'est notre deuxième vignoble avec la présence animale. Le premier étant le Clos d'Aura, qui a une mule depuis 5 à 6 ans, menée par Nicolas Favrier. Là, c'est l'arrivée d'une mule de 5 ans, nommée Casimir, qui va intervenir sous tous les coteaux les plus escarpés du domaine. Donc des terres très très délicates où le travail du sol nécessite beaucoup de précision et beaucoup de minutie. Et là, Casimir va apporter un gain qualitatif indéniable.